radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pour être candidat et être présent à la présidence de la République, je vous rappelle que c'est exactement dans un mois et demi et que les clôtures ont lieu le 4 mars. C'est-à-dire que le 4 mars prochain, dans moins de 15 jours, nous saurons qui est officiellement candidat à la présidence de la République pour le quinquennat 2022-2027. Et bien pour le moment, c'est pas joué. À 15 jours, on est encore dans le suspense. Et je vais vous le dire, c'est un scandale démocratique d'État. Il faut le dire et le souligner. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le dernier espoir de mes adversaires est que je n'obtienne pas mes parrainages. Mes équipes ont contacté beaucoup de maires. Parrainer, ce n'est pas soutenir. Ce n'est pas une tâche facile quand on n'a pas de parti établi. Je ne me réjouis pas de voir que Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon pourraient ne pas avoir les parrainages. C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer. Magnifique, évidemment, vous avez entendu le maire de Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est aujourd'hui dans les sondages à 1 à 2% des voix et dit si vous n'avez pas obtenu les parrainages, c'est que vous ne méritez pas d'y participer. Magnifique, même ça, ça restera dans les annales. Pourquoi ? Parce qu'au fond, c'est une loi, il faut le dire, c'est un règlement scélérat. Pourquoi c'est un règlement scélérat? On comprend que le général de Gaulle, au début, a voulu écarter, effectivement, n'importe qui se présentant à la candidature à la présidentielle, faisant campagne, ça n'a pas de sens. Il y aurait 2000 pelés et 3000 tondus qui voudraient se présenter et qui voudraient s'amuser avec ça. Donc, il a institué le parrainage, c'est-à-dire, au départ, c'était 100 personnes, 100 maires, élus, représentants, qui, effectivement, choisiraient, ça ne veut pas dire leur candidat, c'est quelqu'un qu'ils estiment, en toute conscience, que démocratiquement, sa voix pourrait se faire entendre. Très bien. Alors, ça a été haussé à 500 signatures. Donc, de maire, je rappelle qu'il y a 36 000 maires et il y a plus de, en plus de ça, des 4 à 5 000 élus. Donc, il y a pratiquement 40 à 45 000 personnes qui peuvent choisir. Eh bien, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a trois personnes, qui sont Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui totalisent, on le croit ou on ne croit pas au sondage, mais quand même tous sont d'accord, qui totalisent à eux trois 40% des intentions de vote. Je répète, 40% des intentions de vote. Et aujourd'hui, aucun d'entre eux, alors je vous parle, n'a les 500 signatures. C'est quand même assez hallucinant, parce que je regarde un peu aujourd'hui à la date où nous sommes. Valérie Pécresse, parfait, elle a 1945 parrainages. Hidalgo Anne, 1074 parrainages. Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière, 529 parrainages. Fabien Roussel, du Parti communiste français, 529 parrainages. Et Jean Lassalle, notre ami Jean Lassalle, 503 parrainages. Et ensuite, Jadot Yannick n'y est pas encore, Nicolas Dupont-Aignan non plus. Et je répète, Jean-Luc Mélenchon, Le Pen et Zemmour, Éric n'y sont pas. Alors, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. C'est que, pourquoi ? Alors, il est là le problème, il est là le scandale d'État. Pourquoi, effectivement, un certain nombre de gens, il y en a d'autres, hein, le parti animaliste et d'autres, le parti, nous allons en parler, du référendum d'initiative citoyenne, qui pourraient avoir des parrainages, qui en ont, mais qui en ont en quantité extrêmement, il faut le dire, assez négligeable. Eh bien, pourquoi ? Pour un sens très simple, c'est que M. François Hollande, qui fut, comme chacun sait, président de la République, enfin qu'il fut, oui, a institué l'abandon de l'anonymat des parrains. C'est-à-dire que le maire, aujourd'hui, le maire ou l'élu qui veut parrainer quelqu'un, même s'il n'est pas de son avis, eh bien, doit donner son nom.
Et qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, vous le savez, auditeurs du Sud Radio, on en a parlé. Mais il faut en parler aujourd'hui parce que nous sommes, encore une fois, à moins de 15 jours du 4 mars. Ça entraîne simplement toutes les pressions qu'on peut imaginer, de la part des préfets, de la part des agglomérations, des communautés de communes, des pressions, des conseils généraux, etc., etc., etc. C'est-à-dire que le maire qui veut parrainer quelqu'un qui n'est pas, effectivement, dans la mouvance, je dirais, dominante, ou dans la mouvance gouvernementale, ou dans la mouvance régionale, départementale ou municipale, on va lui dire, mais mon petit, t'es gentil, toi, tu as voté pour qui? Non, ça va pas du tout. Tu veux vraiment ta piscine? Tu veux vraiment ta route? Tu veux vraiment qu'on augmente un peu tel ou tel terrain municipal? Tu veux des subventions? Eh ben, t'en auras pas. Tu n'en auras pas, voilà, c'est très simple. Vote, c'est exactement, c'est comme le passe sanitaire. Vote, oh ben tu es libre de choisir qui tu veux, mais pense aux conséquences. Et les conséquences, tu vas les sentir, et tes administrés aussi. Et tes administrés, ils vont t'en vouloir. Alors qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle la démocratie. Messieurs les élus, dans ces circonstances extrêmement importantes, voire vitales pour l'avenir d'un pays. Alors, on fait quoi? On se cache sous la moquette? On fait rien? Est-ce qu'on fait fi d'un certain nombre de choses? On prend ses responsabilités d'élu et d'homme politique? Ou on a peur? Ou on se réfugie dans la peur? Et là, il y a eu deux réactions intéressantes, politiquement et tout. La première, c'est David Lisnard. David Lisnard est maire de Cannes et président aujourd'hui de l'Association des maires de France. Et voici ce qu'elle dit à David Lisnard. La candidate que je soutiens, de façon claire et nette, qui est Valérie Pécresse, au moment où je vous parle, a à peu près 2000 parrainages. Donc elle peut concourir, elle est en tête des parrainages et je m'en réjouis. C'est pourquoi j'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné, puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je combats ardemment ses convictions, ses idées et ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir. Voilà. Voilà ce que j'appelle quelqu'un de démocrate, au vrai sens du terme. David Lisnard, il est de droite, il est effectivement aux antipodes, comme il dit, de Jean-Luc Mélenchon, mais il parraine Jean-Luc Mélenchon parce qu'il trouve absolument sain pour la démocratie, pour la libre expression, pour le pluralisme des idées et des convictions et des actes, que Mélenchon puisse effectivement se présenter, ce qui paraît la moindre des choses. Eh bien, vous avez une autre réaction, alors celle-là à gauche, celle de Fabien Roussel, hein, le candidat du Parti communiste français. Alors lui, il n'est pas du tout sur cette ligne-là. Écoutez-le. J'ai toujours considéré l'extrême droite comme une menace pour la République, une menace... Des millions de Français sont prêts à voter pour eux, mais, que vous le vouliez ou pas. Mais des millions de Français ont soutenu Pétain quand il a pris le pouvoir en 40. Je ferai tout pour que, en tout cas, de chez moi, il n'y ait aucune signature en direction de l'extrême droite. Mais enfin, vous rendez compte le danger qu'il représente. Oui, nous nous rendons compte, surtout Fabien Roussel, de l'extraordinaire écart que vous avez. D'un côté, et on vous a d'ailleurs applaudi là-dessus, vous dites que la viande, le vin et le fromage, ce sont des vertus françaises, de la gastronomie française, mais alors la liberté d'expression, elle n'est pas française. Hein. Vous vous rappelez quand même, Fabien Roussel, que sur les frontons de tous les édifices français, c'est liberté, égalité, fraternité. Ah oui, mais alors vous jouez les Saint-Justes, les petits Saint-Justes de sous-préfecture. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Alors donc, si j'ai bien compris, les millions de Français qui votent Le Pen ou Zemmour sont des pétainistes. Non mais vous allez où là? Vous allez où là? On va pas vous rappeler encore le pacte germano-soviétique et la position du PSF entre 1939 et 1941. Il faut quand même arrêter le délire et la plaisanterie. Il faut vraiment arrêter ça, parce que c'est pas sérieux. Et je crois vraiment, on voit très très bien où se situe la liberté d'expression, où est Voltaire. Et bien aujourd'hui, David Lisnard est nettement plus proche de Voltaire que Fabien Roussel. Voilà. Alors vous pouvez nous appeler, non pas pour donner votre parrainage, mais pour réagir au coup de gueule d'André Bercoff au 0826 300 300. Sud Radio Bercoff.